Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be all. Et c'est un départ. Je savais pas comment que j'étais heureux de partir là. Après tout cet effort-là, tout le travail que j'ai mis, qu'on a mis ensemble avec ma femme, un rêve devient réalité. C'est le premier pas vers notre destin vers le sud. C'est une belle journée, la météo est de notre côté. Le vent est tombé, il y avait des vents, des pics de 35 nœuds à matin. Le vent s'est calmé. Ça va être une super belle journée pour se rendre le plus loin possible. J'ai pas de but pour la journée, sauf que je veux faire en même temps un, on appelle ça un sea trial, un test de navigation. On va voir comment ça va aller, si tout va bien. Je serai pas obligé d'en venir à la marina, mais c'est pas ça le but. Mais là, je m'en vais, puis on va descendre. Destination Chipman pour faire démater le voilier, puis faire un arrêt entre les deux, dépendamment de ce que je vais être rendu et à l'heure qu'il va être rendu. J'attends mon ami de quai Steve qui va me donner un coup de main, puis on va décoller du quai, puis après ça on se revoit un petit peu plus loin. À la prochaine, oui! Le bout le plus stressant, c'est de sortir d'ici. Que je dois passer par notre marina, par Barcombs, où il y a un canal qui a été creusé. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais les deux grosses bouées, une fois que je suis passé les grosses bouées, là, ça c'est là. Il y a no turning back now, il n'y a pas de retour. On va brasser moins ici en haut là. Ça fait environ 40 minutes que je navigue. Le vent il vient encore du sud. C'est pas plaisant vers le lac quand tu descends direct dans le vent. La vague c'est pas si pire. La vague de peut-être 1 pied et demi, 2 pieds gros max. Le vent devrait changer à l'entour de 2 heures cet après-midi. Il devrait venir de l'ouest. Ça va améliorer la condition à bord. L'autopilote fonctionne. Je ne l'avais pas testé avant de partir. Je me disais que tout devrait fonctionner. Puis j'ai tout changé ce qui était électronique sur l'autopilote. Quand je l'ai mis en, il a tourné le bateau tribord. Ben, fait que là, je l'ai cancellé tout de suite. J'ai refait la calibration. C'était juste ça. C'était la position du safran qui est. Oui, il était plus sûr où ce qui était rendu. Mais après d'avoir calibré ça, l'autopilote fonctionne. Quand on est seul à naviguer, c'est comme une main de plus. C'est de l'aide. Ça m'a permis aussi d'aller voir le moteur pour être sûr que tout allait bien. Pas d'eau qui rentre, pas de surchauffe au moteur, rien qui coule. Ça va super bien à date. On va voir aujourd'hui. Le soleil devrait sortir un petit peu plus tard aussi. Ça va réchauffer. Je suis allé préparer mon angle pour l'approche. Je vais être proche de la plage municipale de Burlington. Je vais attendre à peu près d'une dizaine de pieds d'eau, puis je vais jeter l'ancre. J'ai aussi remarqué que j'avais une fuite de fuel. On a un chauffage Esport en bas qui marche au fuel. Puis qu'est-ce qui a été drillé pour prendre le fuel dans la tank, ça semble couler. J'ai rempli la tank jusqu'au bouchon avant de partir. Ça sent un peu le fuel en bas. Fait que je vais essayer de peut-être passer un petit coup de guenille vite à soir. Puis au pire, je continuerai le ménage demain. Demain, je vais probablement avoir un peu d'avance sur mon temps. À soir, je pense que ça va être un bon repos bien mérité après cette première expérience de navigation seule. Est-ce qu'on est correct? Je drop. Un petit coup de l'arbre. J'ai installé mon snubber. Je trippe pas encore de la mienne que l'accordage est passé. Il va peut-être falloir que j'installe un double. Que je voulais pas faire, souvent quand on met des doubles d'un catamaran, mais la manière que les taquets sont faits, puis la manière que je peux passer sur le taquet à l'intérieur, ça fait, il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. Si je le fais passer par ici, ben la chaîne elle vient, ça fait une drôle d'effet. Il va falloir que je revise ça un peu. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour cette nuit. Il fallait vraiment que je trouve une autre façon de venir attacher ça sur les taquets en avant pour que le snubber absorbe les coups sur la chaîne. J'aime pas la façon que ça tient présentement. Peut-être faire une corde qui va être entre les deux taquets, puis après ça, pour qu'elle s'aille vraiment centralisée. Parce que comme c'est là, ça tire juste d'un bord, fait que là, ça accote ici. Je trouve pas ça. J'aime pas ça. Non, on va en tout cas. On va aller voir en bas si c'est pas de surprise. Puis. Ramasser vite ce qui traîne, puis ça fait un beau petit pé. Regardez bien la chambre de quoi qu'elle a de l'air. Ouais, c'est ça que c'est, un surdo sailor. Je me suis dépêché pour être sûr d'aller voir s'il n'y avait pas d'eau qui rentrait en arrière. Pour aller voir le genre de gyro pour mon noté-pilote s'il y avait un problème. J'ai aussi été voir le fond du moteur pour être sûr que tout allait bien, qu'il n'y avait rien qui coulait. Je vais attendre que le moteur refroidisse un peu, je vais vérifier l'huile. Et voici la fameuse fuite. J'ai mis une guenille là, mais c'est sûr que c'est pas suffisant. Fait qu'on, je vais essuyer ça. Fait que je vais aller essuyer un peu mon dégât de fuel vite. Après ça, je me fais un souper. Les chats, ben c'est pas pire la navigation parce qu'ils mangent pas, fait qu'ils encore la bouffe dans leur plat. Je vais juste leur donner de l'eau fraîche. Mais dans le fond, c'est merveilleux de ce côté-là. Ils vont peut-être maigrir un peu, ça va. Ça en aidera un. Il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre. Je ne dirai pas trop fort. Bonne nuit tout le monde. On se revoit demain.